T'aurais pu au moins m'offrir un bijou. C'est vrai que je reconnais, j'aurais pu lui offrir un bijou, même un petit, ça lui aurait donné un peu d'ailleurs, c'est pas clairement alarmant, mais j'ai pas pensé. L'avortement, on en reparle en France, il y a des manifestations en Écosse et tout. Et ben l'avortement est entièrement libre en Russie. Tu vois les progrès qu'il y a eu. Il y a beaucoup de demandes, il y a 14 mois d'attente. C'est déjà un progrès dans les inscriptions. L'emmerdant en Russie avec l'avortement, c'est que tu fais la queue avant, tu fais la queue après, t'emmerdes tout le temps. Bon. Un autre exemple. Les élections. Les élections sont libres en Russie maintenant. Si. T'as un candidat et t'as le droit de voter pour lui. Ils étaient même tellement étonnés la dernière fois quand Poutine a été réélu avec 106,4% des voix qu'ils ont édité un timbre exprès pour fêter ça avec sa photo aussi. En Tchétchénie, gueulait parce qu'ils trouvaient que le timbre collait pas sur les enveloppes. En fait, ils sont allés voir et ils sont aperçus, hein, les mecs, ils crachaient pas du bon côté. C'est pas là, maintenant, il le tourne, ça colle, c'est bon. C'est bon, ça tient. Allez le dire, hein. Que c'est beau. C'est toi qui as le plus beau derrière moi, le beau caminé. Que c'est beau. Les autres filles ont des beaux yeux, mais t'as le derrière le plus gracieux. Mais c'est vrai que c'est beau, il arrêtait pas de raconter des conneries pour faire marrer les autres mecs. Et non seulement il racontait des conneries pour faire marrer les autres mecs, mais en plus de ça, quand les mecs ils avaient rien à bouffer, lui dans ses restos, il leur distribuait avec eux. Voilà. Pendant ce temps, au paradis, il se faisait chier. Parce que le paradis, c'est bien, c'est mieux qu'en fait. Enfin, il paraît, moi je suis pas fou, j'ai vu que l'appartement témoin. Non, il paraît, le paradis, c'est mieux qu'en fait. Seulement, l'emmerdant dans le paradis, c'est qu'il n'y a rien de fou. Il n'y a rien de fou. La seule distraction au paradis, c'est la météo. Il y a Omar Saint-Pierre, il dit ça pleut, peut-être il va faire demain. Je regarde, il dit bah, demain, il va faire nuageux. Oh, bah, nuage, tant mieux, on pourra s'asseoir. À part ça, y a rien à faire. Ils entendaient qu'il y avait du bordel dans le sous. Il y en a un qui dit, vous cassez pas, patron. Il descend avec ses petites lèvres. C'est bien, hein. Bon, après, il descend avec ses petites lèvres. Et qu'est-ce qu'il voit dit? Je vous le donne. Il voit l'autre mec qui raconte des conneries pour faire marrer les autres mecs, qui leur distribue à bouffer, tout ça. Il remonte vers Saint-Pierre, il dit, bien le bord. C'est un bon contrat. On devrait le ramener chez nous, il va mettre de l'ambiance. Et Saint-Pierre, il va pas de problème. Je m'arrange avec un camion et je le ramène. Ça va faire 20 ans et on n'a toujours pas de nouvelles. Alors, ce qu'on ne sait pas, nous, ici, c'est si ce mec-là, là-haut, il continue de raconter des histoires pour faire marrer les anges. On ne sait pas, ça. Par contre, ce qu'il y a de sûr, c'est que nous, ici, on continue de se marrer avec ces conneries. Parce que n'importe où qu'on aille, il y a toujours quelqu'un pour nous les raconter. Parce que ce mec-là, pour nous, il n'est pas là-haut. Ce mec-là, pour nous, il est là. Et là. Et ça, les mecs, ils n'en porteront pas au paradis. En plus, ça nous fait revivre Coluche et c'est bien. C'est un homme remarquable qui a bien su traduire l'émotion et réactualiser surtout. Et on a passé vraiment une très bonne soirée. J'avais déjà vu
il y a 15 ans, mais il s'est encore amélioré. Donc il a des nouveaux sketchs. Enfin, tout le monde, je pense, est très content. Hein. Voilà, spectacle hommage à Coluche. Ciao l'enfoiré. Bientôt chez vous, les gars. Allez, salut.